Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Total War Warhammer 2. Alors une vidéo qui arrive franchement en retard parce que j'ai franchement pas eu le temps de la faire avant, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On avait quasiment reconquis toute notre île. On avait un petit souci ici à Torrent Rock qu'on allait régler très très vite, je pense. Oui, je pense que ça va tomber. Ici, on va reconstruire. Globalement, je crois qu'on devait commencer tout simplement par passer le tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il fallait que je regarde, précisément. Alors, pas ça. Enfin, pas ça. Disons que ça aussi, mais pas seulement. Il fallait que je regarde s'il y avait des moyens de faire un peu de commerce. Non. Donc, ouais, au niveau commerce, on a fait ce qu'on a pu. On doit ici améliorer les relations autant que possible. Et nous renforcer si on veut vraiment comment réunir toutes les factions elfes. Ensuite, il fallait que je regarde précisément quel truc il me manque ici. Là. Grand répertoire et forgeron, il me manque pour aller à la suite. Et ici, tour des mages et fort du dragon. Donc grand répertoire, c'est ça. Il va me falloir également, du coup, ça. Forgeron. Mais je pense que ce genre de truc... Ouais, ce genre de truc, c'est... C'est quelque chose qu'on avait ici. Parce que là, pour l'instant, en fait, mes recherches, elles sont complètement bridées. Parce qu'il est possible de faire, donc bon... C'est pas terrible. Allez, on commence par passer le tour. Il faut faire attention à ces gens. Après, c'est pas trop violent non plus, mais mieux vaut faire attention. Et ici, c'est une petite cité qui n'a pas eu le temps d'être vraiment préparée à l'assaut. Donc, je pense que ça sera très très vite réglé, l'assaut ici. Ouais, voilà. On va attendre un peu ici. On va reconstruire. Voilà. Bon alors ça nous a coûté un peu la peau du fion, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ici, on avait la mission d'envoyer quelqu'un dans ce coin, donc on le fait. Hop là, 2000 balles. On a ici une bataille possible pour l'étoile d'Avalorn avec, avec notre armée, avec Alariel. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est vachement bien même. Hein. C'est vraiment très 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 bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est qu'on va y aller, chers amis. On va y aller, hop, et hop. Et on va faire cette bataille. Ouf. Alors on nous dit que ça va pas être facile. Je n'en crois rien. Normalement, on a ce qu'il faut. Enfin, j'ose espérer. Après, il y a plein de trucs aussi. Hein. C'est assez. Il y a beaucoup de trucs lourds. Il y a pas mal de canons. Si je peux me déployer comme je le souhaite en mettant en avant, par exemple, les dryades dans un coin ou dans l'autre, ça peut aider. On va voir comment ça tourne. On Avalon Star. Now, away, my host.
Bon, eh bien non, on peut pas, on peut absolument pas se déployer comme on le souhaite. Ici, à quoi? Des élus et trois canons. Donc ça, c'est un peu l'emmerdement. Alors notez que pour l'instant, ils sont pas en mesure de nous tirer dessus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va essayer de faire en sorte que ça continue. Ouais. Pas exactement ce que j'aurais voulu. Ouais, en fait, j'ai pas envie de prendre des tirs dans la gueule, c'est surtout ça mon problème. Donc vous allez là. Vous allez là. Toi. Hop. Ici, on reste dans le coin. Bah, les balistes, j'ai envie de dire qu'elles vont directement essayer de tirer là-dessus. C'est pas la peine de se poser des questions pendant 100 ans. Ici, on laisse un peu de dryade. Ici, on va envoyer le reste des dryades. Norel. Alors, Norel, c'est pareil. Hein. Norel, on a des tirs puissants. On essaye de tuer cette saloperie. La garde phénix, elle va rester dans le coin. Quant à nous... Bah, quant à nous... Il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour aller chercher ça. On n'a pas la compo qu'il faut. Bah, quant à nous, on va attendre. On va attendre tranquillement dans le coin aussi. Oh, quoique. On a le bannissement quand même. Ce sera dommage de ne pas s'en servir du bannissement. Après, il n'y a pas vraiment de paquet adverse. C'est pas trop... Je peux essayer de foncer dessus, mais... L'Ariel contre un Wyrm. La bonne nouvelle, c'est que moi, je régène. Hein, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Tenez, c'est cadeau, les gens. Eux, ils vont ramasser, par contre. Ouais, courez les gars, courez, vous en prenez vraiment plein le fion, c'est pas très malin. Ça non plus, c'est pas très malin. Ouais. Ils ont été plus rapides que prévu, du coup ça fait un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu pas très bien géré tout ça. C'est qui, c'est quoi ça? Seigneur du chaos, on envoie la garde phénix. Ah mais putain! Ah ouais, mais on s'est quand même... complètement fait backstab en fait. Je les ai pas vus arriver du tout et personne m'a dit qu'ils étaient là. C'est un peu la tristesse. Ouais, c'est un peu la tristesse là. Reculez les gars, reculez. Vous êtes ouais, vous êtes en contact avec des trucs avec lesquels il ne faut pas être en contact. C'est stupide à souhait. Ok, donc ça c'est fini. Allez, on revient par là. Putain, ils sont un paquet, les cons. Ça fait mal, hein. Il faut que Norel... Ouais, non, mais Norel, il faut qu'elle s'occupe de ça, là. On peut pas faire autrement, là. Ok, il y a pas mal de trucs qui sont en train de craquer par là, c'est la bonne nouvelle. Ah la vache! Ils ont pris une charge! Une charge, ils ont explosé les mecs. C'est un peu triste. C'est un peu genre vraiment vraiment très 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 triste même. Laissez tomber. Ah non, laissez pas tomber les gars. Laissez pas tomber du tout. Ça c'est pareil, ça faut éliminer. Ça faut éliminer.
Ça pique. Ça pique vraiment. C'est bon les gars, c'est pas la peine d'aller plus loin. Quoique vous vous mettez plutôt par là. Géant du chaos, y a moyen de taper le géant du chaos les gars. Merci beaucoup. Ah putain, des berserkers dans les archers. Bah bizarrement, bizarrement ça le fait pas. Ici les gars, cours après des trucs inutile de courir après. Allez, allez. Enfin, si vous pouvez continuer éventuellement. Parce que ça les fait fuir, c'est pas si mal, mais la reste, il faut que ça bouge. Là. Merde, Norel. Qu'elle se casse. Là, on se fait un peu pilonner le fion. C'est un peu douloureux. Ça sert à rien de courir après, j'ai déjà dit. On va soigner Norel, vite fait. Ok, ici il y a pas mal de choses qui sont un peu libérées. Ça, c'est assez plaisant. Des champions maraudeurs là. Ouais, faudrait éliminer ça là, ça saoule un peu. Ok, donc là-bas il y a pas mal de choses qui ont été faites. Ici, les épines d'Ulfion, ça va être très compliqué pour eux, je pense. Ah, Norel. Norel a été. C'est fait avoir, Norel, malheureusement. Allez, ici, on va... non. Spearman par là. Vous vous tirez par là. Allez, allez, au contact, les gars, au contact. Non, des lanciers là-bas, encore une fois, ça sert à que dalle, les gars. C'est vraiment pas utile. C'est quoi ça? On s'est fait calculer par quoi là? Des cavaliers maraudeurs? Fais chier. C'est bon ça aussi. Revenez par là vous. Ouais, il y a un seigneur du chaos donc là forcément ça fout un peu la merde. Non mais les gars, faut y aller, faut arrêter de se poser des questions. Je pense que vous pouvez vous barrer. Juste barrez-vous. Quasiment plus de munitions. Ah putain, on prend des coups de canon dans la gueule en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont bientôt plus de munitions. Enfin, si on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Qu'ils aient tiré toutes nos munitions dans leur gueule. Enfin, dans nos gueules plutôt. Ah non mais les gars, faut continuer, faut arrêter de glandouiller là, par contre. Allez, allez. Ouais, non. On revient. Là aussi on revient. Il y a encore un seigneur sorcier là. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Faut que je m'occupe du reste d'abord. Cassons-nous de là. C'était une idée pourrie. Comme ça arrive parfois.
Ok, eux ils sont en panique. Lui aussi il est un peu en panique. Allez, on s'en va nous. Là, on est en train de se reformer. Ça, c'est bon, c'est complètement brisé. C'est quoi ça? Ouais, des élus avec halbarde, ça fait mal au fion aussi. Oh putain. J'ai des... J'ai des archers qui sont en contact. Pourri. Si je peux envoyer plus de monde, ça va peut-être pouvoir servir ici. Lui, il est en, comme en retrait maintenant. Ouf. Prenez ça dans les dents, bande de con. Ok, on les a pas mal ravagés, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est des élus avec armes lourdes par contre, donc on va plutôt se tirer. Putain, ça aura été laborieux. Hein. Vraiment, vraiment laborieux. Mais il reste encore un seigneur du chaos, donc au bout d'un moment... au bout d'un moment c'est compliqué. Les élus avec halbarde, on les élimine pas comme ça. Hein. Faut les faire fuir plutôt. Ouais, eux, vous foutez plus rien, vous. Allez, en avant. Je me félicite tellement d'avoir pris le truc qui booste mes dégâts contre le chaos. C'est bon, c'est fini là-bas, là. C'est parfait. Quoi ça? Tuez-moi ça. Putain, ce qui nous met, cette espèce de bâtard. Il y a plus personne sinon. Il reste plus que ça, c'est la dernière poche de résistance. Le souci, c'est qu'elle est violente, la dernière poche de résistance. On est sur de l'élu à armes lourdes. Et ici, un seigneur... Oh, c'est un seigneur sorcier, on s'en fout d'un seigneur sorcier. Allez, on va essayer de les entourer totalement. Alors, on aura récupéré l'étoile d'Avalorn, mais à quel prix, quoi? Ah, c'est fini. C'est fini, ils finissent par rompre la formation. Et partir dégoûté. Il nous reste plus que ce machin à buter là parce que c'est indémoralisable. Mais bon, il a plus de munitions, il a plus rien, donc c'est pas vraiment un problème. Ouais, victoire. Ouais. Putain, ça pique, hein. Ça pique très très fort. Ne craignez rien pour Norel, elle est immortelle. Je lui ai pris le trait immortel. Donc elle va revenir dans quelques temps. Ouais, ils ont pris cher. Bah ça va être l'occasion d'améliorer. Ah non, ils sont la garde phénix ici, ils se sont fait défoncer. Ça va être l'occasion de remplacer certains régiments. Le pognon. Bouf. Non. C'est du chaoteux. Allez, l'étoile d'Avalorn, c'est fait. Excellent. Allez, on va revenir ici. On va regarder qu'on a bien l'étoile, du coup. Elle est où l'étoile? Ouais, l'étoile d'Avalorn. Putain, on a une épée relique. C'est sérieux. On a ça comme matos. Ah, c'est terriblement moche.
ce qu'on a comme matériel. J'avais pas remarqué qu'on avait du matériel de merde sur Alariel à ce point, quoi. Ah oui, c'est vilain. Ah, c'est vraiment, vraiment très, très vilain. Bouclier arcanique et épée relique. Pff, nul. Ah, ben en plus, j'ai même pas pris ça. Ok, je disais j'ai bien fait de le prendre, mais je l'ai pas pris. C'était un peu la honte. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme régiment sympa? Je pense qu'il y a certains régiments qui vont fusionner. Parce que parce qu'ils sont plus vraiment intéressants dans le dans la compo actuelle en fait. Hop. Ça va fusionner. Hop. Voilà. Alors, un autre régiment comme ça, c'est pas mal. Du Lémur, c'était plutôt pas mal du tout même. De la garde Phénix, c'était bien. Évidemment, les Sœurs d'Avelorn, c'est quand même un must avec notre personnage principal. On manque cruellement de cavalerie de choc quand même dans cette armée. En même temps, avec le pognon que j'ai, je vais pas pouvoir faire des miracles, hein. Ouais, je vais pas pouvoir faire des miracles parce qu'en fait, c'est pas vraiment un point de recrutement ici. Il n'y a pas ce qu'il faut pour recruter correctement. Donc à chaque fois que j'achète un truc, ça me coûte la peau du fion. C'est un peu triste. Enfin bref. Ouais, 2400, putain. 2400, vous êtes sérieux? Je peux prendre ça. Ouais. Ouais, ça va prendre du temps de faire une armée potable ici. À ce prix-là, quoi. Ouais, ça va prendre du temps, mais en fait, on n'y peut rien. Elle doit redescendre. Ici, on a lui, là, qui fait chier. Qui fait chier grave, même, je dirais. Je le suis. Pour éviter les problèmes. Mais mon plus gros problème, ça reste quand même le pognon dans cette game. C'est vraiment là que ça pêche en fait, hein. 2000 balles par mois, alors, enfin par tour, alors que bah, à chaque fois que je recrute quelqu'un, ça coûte déjà 2000 balles. C'est rude, hein. C'est très très rude. Ensuite, bah, je pense qu'ici il va pouvoir venir, je ne sais pas, par là. Allez mon gars, t'as pas fini. T'as pas fini de ramer comme on dit. Bon bah ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre la cité. Encore 3 tours pour le rituel, c'est très très long non? Vous trouvez pas ça un peu long vous? Je trouve ça un peu long. Pas grand chose qu'on puisse faire ici. Alors ici, 17. Sachant qu'il nous manque complètement de quoi mettre. Ah, nous... bah, c'est ça qui nous manque, hein, de toute façon. C'est pas autre chose. Hein. C'est des régiments de ce genre. Hein. Il m'en faut au moins 2 des régiments de ce genre. Ici, on va écraser la résistance sans mal. Et récupérer la cité. Parfait. Torrent Rock est effectivement un petit peu affaibli, mais. Pas non plus dramatique. Maltael. La Maltael, c'était plutôt un profil de seigneur stratège et tir.
On va continuer comme ça. Il lui manque un régiment, lui. C'est étonnant, tiens. Et Azrael. Donc Azrael, lui, c'était plutôt les... comment ça s'appelle? C'était plutôt la garde maritime, lui. Ouais. Bah, je pense qu'une dévotion envers Matlan, c'est très bien. Hein. Hop. Ici, drain de magie, magie tellurique. C'est très bon aussi. Ok, bon, ça c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Ici, on a toujours lui qui fait chier. Là, il a une foule, une armée foule. En fait, il m'oblige à faire des allers-retours pourris entre ces deux endroits. Ça me casse un peu les pieds, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment, vraiment le choix. Ici, hop, amélioration des revenus, évidemment. C'est ça que j'aurais dû faire, mais complètement, c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que j'arrête de faire de la merde. Hop. J'accomplis le rite ici pour pouvoir recruter des gens moins chers et meilleurs. J'ai de sort, Homme de Kane. Ah, je préfère ça. C'est une armure, ça? Je sais pas. Mais je vais la prendre. Est-ce qu'on peut... Ouais, voilà. C'est quand même vachement mieux. Hop là. Alors, Ariel se retrouve donc avec le Homme de Kane. Ça vaut ce que ça vaut. Et du coup, on peut recruter à coût réduit. Un peu. Ouais, mais pas ça. C'est trop cher. C'est trop cher pour la garde Phoenix. On va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 régiments de tireurs, une baliste. Deux esprits de la forêt comme ça, pas mal de piétons comme ça. Ouais, bah c'est pas grave, on va prendre du mettre des épées. Deux régiments de mettre des épées, c'est pas ridicule non plus. Ouais, elle va retourner... dans le coin, par exemple. Puis je crois qu'il va être l'heure de nous arrêter là pour aujourd'hui. On a assez, on passe le tour quand même. Et puis on va arrêter là. Faut que je dégage des, ouais, faut que je dégage des fonds. Faut qu'on gagne beaucoup plus d'argent que ça. C'est pas normal qu'on gagne si peu d'argent que ça en fait. À ce niveau-là du jeu, c'est complètement naze. C'est pourquoi une alliance défensive. Tu m'emmerdes. Vraiment. Non, bah non. Non, fais pas d'alliance défensive. Si on fait une alliance défensive, après tu voudras jamais confédérer. Donc pas d'alliance avec eux. Mais vous avez vu qu'ils sont redevenus plus forts que nous en termes d'armée, c'est normal. Hein. Eux, ils ont développé correctement leur territoire. Nous, on l'a pas fait. Du coup, c'est la merde, financièrement parlant, j'entends. Caroncar a disparu. Je vais pas aller pleurer plus que ça. Putain, ils vont méga vite avec leur putain de bateau. Tu veux pas faire la paix? Si, tu veux faire la paix. Voilà. Arrête de m'emmerder. Ça va libérer des gens pour faire autre chose. Et ces autres choses, ça va être par exemple aller chercher des trucs comme ça, là. Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de pognon, quoi. Oh, 3 tours, c'est beaucoup trop long. Il y en a pas des plus près? Pas vraiment. Pas vraiment du tout. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, vous prenez la mer, vous tracez. Et de toute façon, j'avais dit qu'on arrêtait là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye les gens.